Avec l'ASBEL Culture Plus qui organise un tournoi de basketball sur le parquet de la 7e rue Alimétée dans l'optique de venir en aide aux jeunes talents quinois. 16 équipes sont engagées dans ce tournoi organisé par Yann Couété, promoteur culturel et organisateur, et Serge Ibaka, basketteur NBA et parrain de l'événement. Dans le but de promouvoir les jeunes talents congolais, un tournoi de basketball est organisé ce week-end à Kinshasa par l'ASBEL Culture Plus. Parrainé par Serge Ibaka, joueur de basketball NBA, et organisé par Yann Couété, président de l'ASBEL Culture Plus. L'ASBEL a pour vocation de promouvoir la culture urbaine. Aujourd'hui, nous sommes en plein 7e rue pour célébrer le premier concours, le premier tournoi interurbain de basketball. Donc voilà, le tournoi s'intitule Kinshasa Jam Session. Kinshasa Jam Session a pour objectif de promouvoir la culture, de promouvoir le sport et de promouvoir les différents et les jeunes talents. En fait, c'est un événement qui va se passer en 2 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour, on a eu à avoir 8 matchs à élimination directe. On avait 16 équipes, aujourd'hui on a 8 matchs à élimination directe. Demain dimanche, on aura notre quart de finale, notre demi-finale et notre finale. En fait, il y a pas mal de cadeaux à gagner. Et l'événement, on a pas mal de partenaires. Merci pour B1 pour ses soutiens médias. Et cet événement est aussi parrainé par un joueur international qui est le parrain de cet événement. Il s'appelle Serge Ibaka. Serge Ibaka, pour un petit récap, c'est un grand joueur qui joue à l'NBA, au club OKC, Oklahoma City. Au total, 16 équipes ont pris part à ce tournoi qui se conclut ce dimanche au centre commercial de Limété sur le parquet de la 7e rue à Kinshasa.